Coucou les filles! Aujourd'hui, nouveau tuto, comment se mettre un strass dentaire? Alors, je vais vous expliquer comment moi je procède. C'est quelque chose de tout simple en fait à réaliser. Pas besoin d'aller à l'institut de beauté ou dans un magasin spécialisé pour ça. Vous allez économiser 30 euros ou 50 euros, je sais pas combien ça coûte, ça dépend des endroits. Vous allez juste acheter le nécessaire et en plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous le refaire maintes, maintes fois jusqu'à que. Donc, pour ça, il vous faut. Alors, un petit carrousel. Voilà, en fait, ce sont des strass. Normalement, ce sont des strass que les prothésistes angulaires utilisent pour mettre sur les ongles, pour faire, pour décorer les ongles. Vu que j'ai fait ma formation de prothésiste angulaire, j'ai ce carrousel avec moi. Mais ça ne coûte pas très cher. Ça coûte aux alentours de 5-6 euros. Moi, je l'ai acheté sur Internet. Vous en avez sur eBay. Ça doit coûter 2 euros à tout casser. Et vous en avez pour un moment. Ensuite, de la colle pour ongles. Voilà. Moi, c'est de la colle que j'ai achetée chez Pégisage. Et une pince à épiler. Voilà. Donc, pour ce faire, vous choisissez un strass dans votre carrousel. Moi, aujourd'hui, je vais mettre la couleur rose clair. Après, vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi, je dis aujourd'hui parce que. Voilà, mais c'est pas parce que j'ai dit aujourd'hui qu'il va falloir que je le change demain et que je vais le changer après-demain. Non, non, non. C'est juste que comme mon ancien strass est tombé, aujourd'hui, je décide de mettre le rose. Un strass tient environ. Moi, j'en ai gardé. Il y en a que j'ai gardé un mois, il y en a que j'ai gardé 2 mois. Ça dépend si vous le mettez bien, ça dépend. Ça dépend beaucoup de choses en fait. C'est vrai qu'une fois j'ai croqué dans un morceau de pain dur et en fait ça a gratté la dent et ça m'a décollé le strass. Donc après ça dépend. Hein. Si vous faites vraiment attention et que vous mangez pas des choses trop dures ou quelque chose, je sais pas. Ça va tenir assez longtemps quand même. Parce que je l'avais fait mettre chez dans un institut. Pas loin de chez moi, j'avais payé, je crois, j'avais payé 50 euros. Ça venait juste de sortir. J'avais payé ça 50 euros. Le lendemain, j'ai croqué une pomme. Le strass est tombé. J'ai appelé la dame qui me l'avait posé. Elle m'a dit, vous avez qu'à revenir, mais il vous faut repayer 15 euros. C'est-à-dire, j'allais repayer la colle. Je dis non, c'est pas la peine, je reviens pas. Nous allons commencer. Je vais vous expliquer comment faire. Je vais rapprocher la caméra sur mes dents. Pour bien que vous voyez comment je vais procéder. Voilà. Donc, vous prenez votre petit strass avec votre pince à épiler. Voilà. Ce que vous faites, vous mettez bien la colle. Et vous allez coller le strass sur la dent. Et attendez. Contre, avant de mettre le strass, n'oubliez surtout pas de vous essuyer la dent avec un soupalin, c'est-à-dire de sécher la dent. Voilà. Voilà, mon strass dentaire est mis. Voilà ce que ça donne. J'ai pas mis une couleur très très flashy parce que je trouve que
Ça va faire trop. Donc j'ai mis vraiment une couleur rose pâle. Ça tient très très bien. Bon, au début ça gêne un petit peu, mais on s'y habitue très vite. Donc allez-y, lancez-vous. Un tube de colle coûte environ 5 €. Un carrousel coûte 5 €. Vous en avez, allez, en gros 10 €. Et si vous fermez bien votre tube de colle et que vous fermez bien votre carrousel pour pas que les strass tombent par terre et que vous en ayez partout et que vous les retrouvez plus, chose qui vient de m'arriver, vous en avez pour un moment. Le tuto est terminé, j'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi vous retrouver dans ma prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!